Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien, nous ne pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ville Gonaïve a levé barricade journée lundi 12 juillet 2021. Bien bonnet nan matin, en pile cartouche te tiré nan mitan san vilan qui te force ti machan yo abandonné marché communal là ak l'autre marché qui tout près san ville là. Caoutchouc t'a boulé nan plusieurs côtés nan centre ville là, surtout sous grand rue. Rue Fab Geoffroy, rue Vernet yo tout tenté barricadé. Porte magasin yo te passé toute journée enfermé. Bureau l'état yo pas trivé fonctionner, banque commerciale yo, maison transfert yo, pharmacie yo, tout te rete fermé. Pendant toute journée, trafic lent et fonctionné au ralenti. Camionnette yo, chauffeur taxi moto yo, qui qu'on habitué fréquenter Ganguyan, t'es obligé prendre l'autre direction. Cambicio, pas te mettre pied dans mitan ville là. Nous t'es arrivé constater présence blende de noix la police là, dans Carrefour Madame Colon. Climatation ça, t'es arrêté pendant toute journée, lundi 12 juillet 2021. Porte parole la partie politique Haïti en action en ville Gonaïve Fritz Désir fait qu'on est déploré invitation paquet Port-au-Prince te voyez by leader parti politique Haïti en action ancien sénateur Yuri La Tortue. Porte parole AAA en ville Gonaïve Fritz Désir déclaré pour qui ça c'est ancien sénateur yo invité alors que gain l'autre monde qui était doué arrêté yo pas jamais joindre invitation yo dans paquet. Fritz Désir, des situations, l'autre ville Gonaïve, là, c'est un mouvement solidarité, il a fait avec l'idée parti politique, là, pour montrer comme ce gouvernement, n'a pas gain droit à faire persécution politique. Nous parlons vite autant des déclarations, porte-voix, parti politique Haïti en action, en ville Gonaïve, Fritz Désir. Bon, bien entendu, où qu'on est, dans le cadre assassinat, et ancien président, alors, président de facto, qui c'est, Jovenel Moïse, et immédiatement, on connaît, j'ai tout le monde connaît tout, une invitation, il fait pour Yuri La Tortue à répondre à question sur question assassinat et président de facto. Dans ce sens, nous-mêmes, au niveau et Haïti Action et alliés, nous jugeons bon, et commissaire gouvernement étant représentant de la société, il n'y a pas de bon sens dans cette affaire comme invitation. Je dis à comment vous voulez gagner. En pile monde qui gagne responsabilité pour que eux-mêmes puissent être invités ou du moins arrêtés. Pas qu'une personne qui arrêté. Je dis à ne pas comprendre est-ce que Yuri La Tortue si on a sécurité ou du moins est-ce que si on a conseiller. Ne pas comprendre et Vob est-ce que si on a sécurité et tout reste monde est invité pour qui monde qui n'a à l'entrée et pèlerin 5 ans débat comme ça yo pas arrêté. Pour qui Dimitri Ra pas arrêté. Ça veut dire que persécution politique qui t'a fait pendant le journal qui était là, et nous-mêmes, nous pas souhaité pour le mourir, nous t'es souhaité pour aller en prison, pour que lui-même, pour aller rendre compte de tout ça le fait national, selon la Constitution, article 21 de la Constitution, leur viol de Constitution, leur fait mal, leur fait malversation, mais ça qui reste pour vous, comme dette pour payer. Dans ce sens, ça va me passer, les anomales, nous-mêmes, au niveau Haïti Action et les alliés, nous pas à caractère indifférent. Pour nous garder le commissaire gouvernement qui a fait des dérives au point de vue de l'État haïtien. Son mouvement solidarité, nous faisons sénateur, le commissaire gouvernement n'a pas 1000 droits. Et le commissaire gouvernement est un monde qui représente la société, il est plus bien aimé le dossier que nous tous. Comment ils assassinent les journaux? Comment nous-mêmes dans l'opposition, nous voulons un système démocratique et puis pour nous l'assassinat? Non! Nous-mêmes, nous voulons pour Jovenel à la prison et que le monde qui tue Jovenel là, comme tout le monde connaît, Jean Clamé Public dit là, faut que vous enquête sérieux, puis arrêtez une fois pour toutes. Ça aussi est Jovenel pour ne pas dire parce qu'il mêle dans pile bagaille, et c'est eux qui utilisent. C'est dans ce sens nous-mêmes, nous contestons l'interpellation, ou du moins, appel le fait avec le sénateur Yuri La Tortue et autres, puis elle va explication sur la mort, assassinat et ancien président. Toute activité paralysée dans la ville Gonaïve, est-ce que c'est un signe de solidarité? Oui, absolument. C'est ça lié où qu'on est. Yuri La Tortue, c'est pas qu'importe monde dans la société, notamment dans l'opposition. Et nous-mêmes, Haïti en action, je dis, pendant la Gonaïve, et c'est à travers le pays, on regarde les Port-au-Prince à tout, il y a des gens qui commencent à masser devant le tribunal côté,
vous parlez de l'affaire Yuria. Ça veut dire question, on a l'opposition, qui dit Haïti en action? Mokrena, Famila Valas, et tout l'autre secteur qui constitue Haïti en action, nous toutes nos fermes, même genre, que porte monde au niveau de l'opposition, yo kakembe pour des bagailles nulles, ça avenir. Le mouvement, ça, comment je l'abdue? Son mouvement qu'il a, Jean Péya est là, et Ticlode avec Léon Charles, qui est pas qu'on a un, il a parlé état de siège, et d'après la Constitution, et pas d'état de siège qu'il a. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous prenons état, nous, pour que nous dirigeons selon nous-mêmes, parce que pas de président, pas de premier ministre, pas de aucune autorité. Chaque monde doit assumer responsabilité individuelle, parce que pas de collectif, sinon, ou victime pour pochon. Nous sommes les déclarations pour voir parti politique Haïti en action dans la ville de Gonaïve en Fritz Désir. Leader mouvement, nous c'est révolutionnaire dans la ville de Gonaïve en Winter Etienne déclaré, yo prend disposition ça pour bloquer toute activité dans la ville de Gonaïve, journée lundi 12 juillet 2021, c'est pour porter support yo, by leader Haïti en action, ancien sénateur département de Tibonitlan, Yuri Latortu, qui était à répondre à la question commissaire pour Tiboutan, Port-au-Prince, M. Belfort Claude, sous dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse. Winter Etienne a annoncé, dans Jokap Vinayo, y a bien pour aller Port-au-Prince pour chasser premier ministre pour Tiboutan, Claude Joseph, dans primature. En temps de déclaration, Winter Etienne. Et là, c'est un tout souverain, non, parce que nous-mêmes, nous demandons pour le président à toute équipe. Et nous avons beaucoup de forces qui fait, nous disons le coup de force parce que depuis le pouvoir pas légitime, si on a le pouvoir qui jette, ça va aller le coup d'État, ça va le coup de force. Le coup de force, ça qui va dire, c'est Claude, c'est Mire Era, c'est le directeur général de la police, qui va aller, avec complicité de l'autre force internationale qui va pour ça, et nous dit le pas passer. Les gens veulent nous demander d'aller, nous demander pour l'aller. Et non, au lieu d'arrêter Ira, au lieu d'arrêter le directeur général de la police, au lieu d'arrêter le premier ministre, qui était fini, qui était fini, révoqué déjà, de remettre le dossier là, moi c'est même que ça tourne, ça fait nourrir le coup de force. C'est pour le premier ministre que tout le monde est connecté là, qui a le droit, qui a le pouvoir, ça, qui a la légitimité, et a fait nourrir ça à coup de force. Non seulement, il n'y a pas le droit là, mais qu'on y a fait intimider les leaders politiques. N'a invité devant le commissaire, moi je ne vais pas cacher d'eau, commissaire ça, fait plaisir de passer prendre. Pour suspendre dans chaque monde parce que vous qui faites filo qu'on y a. Et je dis à Nana Ouya, pour nous dire, non seulement il faut me aller là, dans ce moment-là, et c'est pas aller, la balle ouais, qui s'est pas le passé. On va parler de qui moi? De Claude Joseph. Qui n'a pas place ici là. C'est n'est qui était en prison, non seulement pour assassinat, avec cause, crime se fait déjà dans le pays, dans la complicité avec Jovenel Moïse. Je n'ai pas deux là encore, j'étais deux dans la prison. Et là, un nègre avait éliminé les consacres, éliminé un pile notre nègre, c'est parce qu'il a clavé le dossier pour mon d'agenda. Et je connais que depuis le père du pouvoir là, c'est le jugement qui va aller. C'est devant le tribunal qui va aller pour rendre compte de tout crime, de tout vol, de toute corruption que commet dans le pays. Mais le mouvement, ça nous entend les gens, c'est combien de temps le mouvement ça a commencé. Le mouvement ça a commencé. Il va dépendre de ce qui a passé pour le jour, hein, pour nous connaître qui est le mouvement ça a fait. Et pratiquement qui baille. C'est fait 5 branches. Chaque branche a 6 nègres. Vous avez 4, vous doublez, vous mettez 2 graines là-dedans en plus. Vous avez 3 nègres qui ont fait un président. Pas de gens qui sont blessés. Vous séparez les gens qui ont fait un galil qui perdu. Et puis vous parlez les nègres qui ont fait un petit combat qui a été passé. Martine Moïse qui est parti à l'autre bois. Heureusement, il vivant pour le raconter ce qui passé. Et puis aujourd'hui, vous êtes des leaders politiques. Pour prendre un mandat pour demander une explication à la mort, ou parler les Mounsayo, ou parler les Léon Charles, ou parler les Erard et Dimitri, ou parler les premiers ministres de facto que ça là, et puis c'est Mounsayo après les, même tout venait ça au jeu, cherche en pile, et ça a cherché à Yabjeni. Et nous promettons ça, ça a cherché à Yabjeni. Ou que les bagages nous prennent, nous sérieux, nous pouvons le mettre dehors. Par exemple, ça avec Mounsayo. Bazooka, pas mettre dehors. Qui te rend là? La porte est juste pour le prendre avec Bazooka.
Nous entendons des déclarations leader mouvement nous révolutionnaire Winter Etienne. Il y a plusieurs centaines de sympathisants parti politique Haïti en action qui te descendent journée lundi 12 juillet 2021 à supporter leader parti Youri La Tortue qui te recevoir invitation commissaire gouvernement pour Tibouta Port-au-Prince pour devenir répondre à quelques questions sur enquête qui a mené sur assassinat président Jovenel Moïse journée lundi 12 juillet 2021. N'a pas rappelé que le président Jovenel Moïse t'est mouri la Kaili mardi 6 pour arriver mercredi 7 juillet dans Pèlerin 5 qui est dans la commune de Pétionville. Après audition, ancien sénateur Youri La Tortue déclaré les faits commissaire connaît li pa konn anyen nan assassinat président Jovenel Moïse. Leader parti politique Haïti en action dit le regret en pile parce que yo assassiné président. Li c'est un démocrate, li pa konn nan violence. Côté tout condamné, Zach Saar, ancien sénateur département de la Tibonite, l'a déclaré, il a toujours persécuté lui. En temps de déclaration, sénateur Youri La Tortue, l'elle t'a quitté parquet Port-au-Prince, journée lundi 12 juillet 2021. Il a été invité, nous, venir à parquet, concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous devons dire que nous ne connaissons rien de question assassinat, et d'ailleurs, c'est ça. Nous dit à la commissaire là qui pose des questions et que nous répondons. Nous regrettons en pile qu'il a assassiné le président parce que nous-mêmes, nous sommes démocrates, nous sommes en opposition avec le pouvoir, mais dans l'opposition, c'est l'âme de la dialectique. Et dans ce sens-là, dès le matin 7 juillet, nous sommes condamnés à l'assassinat. À travers une note de Diepod et à travers une note de toute l'opposition. Nous toujours connaissons que nous-mêmes, nous avons toujours persécuté nous dans la question politique. Et nous disons que la persécution, nous toujours répondons par courage. Nous. Courage, parce que à chaque fois que la justice a brûlé nous avons toujours venu. Parce que la justice, son institution, même si nous connaissons faiblesse, li, n'a toujours fini. Parce que l'institution, ça, on joue quand même, il faut le renforcer. Comme démocrate, nous-mêmes, ça qui est important pour nous, son pays qui doit marcher, c'est le monde qui doit avoir résultat. Ce n'est pas violence qui pour agir, ce n'est pas assassinat. Encore une fois, nous condamnons. Et dans la démocratie, c'est le résultat pour le monde. Et moi, toujours dis ça. Moi-même, comme sénateur, première fois, nous avons eu des résultats, surtout au niveau de la justice, là, côté de Mouté CSPJ, Ranger Statue Maïsra. Comme sénateur, tout, côté que nous avons fait enquête. Donc, ces résultats, nous avons eu. Ces institutions, nous voulons renforcer et nous condamner toute violence. Et nous dit la justice et la police prennent toutes dispositions pour que nous-mêmes, nous avons fait bonne enquête et joignent justement le monde qui fait acte la plus de ça. Nous soutenons les déclarations ancien sénateur département de la Tibonite, là, Youri La Tortue. Dimitri Ea, qui était responsable USGPN, a trouvé là, dans le moment où on a parlé là, en conservatoire, dans IGPNH, là. Gagné trois nouveaux mouns qui, kounye là, a pas assuré la garde dans le palais national. D'après une source, qui est capable de faire confiance, nouveau officier, ça, yo. Yo vin affecté dans tête unité palais national. Parmi nouvelles figures sa yo, nous joignons Cicéron Cédénier, qui lui-même pral commandé USAGPN, Peggy Toussaint dans tête USP, Georges Emmanuel, responsable coordination sécurité présidentielle là, avec Luc Joseph dans tête 4 team. Directeur général de la police nationale a annoncé arrestation Dr. Christian Emmanuel Sanon dans le cadre d'enquête sur assassinat président République. Monsieur Christian Emmanuel Sanon, c'est mon Marigot dans le département sud-est pays. Il a 63 ans. Il était entré tout dernièrement dans le pays d'Haïti dans un petit avion privé avec intention pour le devenir accaparé présidence haïtienne. C'est le premier monde que assassin a été téléphoné après avoir fait une comète Zakioan. Police nationale a disposé également en pile éléments information pour prouver qu'elle était en contact avec deux autres moun yo suspecté comme moun qui auteur intellectuel crime si là.
Après perquisition, on a fait la Kaili, la police a joint dans plusieurs objets pour montrer implication dans planification, réalisation, opération commando dans résidence privée chef l'État. Docteur Christian Emmanuel Sanon, accusé parce qu'il a effectué plusieurs démarches, bon côté, une firme investigation privée pour le recruter mercenaires colombiens pour venir faire mission ça. Mais l'autre bord, DGPNH a souligné que la police haïtienne a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement colombien pour être capable de retracer parcours colombien qui a fait pour venir faire opération ça. Parallèlement, IGPNH a déjà pris mesures conservatoires contre responsable unité en charge protection sécurité famille présidentielle là. D'après ça, DGPNH a petit bout de temps Léon Charles informé commandant en chef la police a demandé collaboration à la population pour capable capturer 5 autres colombiens qui sont membres commando ça qui a recherché tout côté dans pays. Nous allons vite autant des déclarations DGPNH petit bout de temps Léon Charles. Nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando ça qui a attaqué la résidence président. Le 26, non. Le vendredi à jeudi, il y a un qui récupéré avec appui population, un Colombien. Et bon, l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et trois haïtiens, deux autres qui étaient là déjà, qui ont été présentés vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous avons arrêtés récemment. Monsieur Sahar, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigo en 1958. Information ça a été mené nous, car individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillant ça que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mounsayo qui t'apprend dans un premier temps assurer sécurité business, tête palie en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Saransayo, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité individuel Emmanuel Sanon, mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information Sayo, nous recueillons à une enquête entrevue que nous avons avec Bandi Colombien Sayo en présence de mon interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé. Nous présenter par Yon Nassaya Sayo au mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la psychologie, nous prenons tout qu'on est. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent rentrer, sur une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandit ça, le fin perpétré comme ça, premier monde que yon n'a sa yon, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaître comme nous avons la vidéo au fur et à mesure avec les maillots comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous sommes les déclarations de GPNH à petit bout de temps, Léon Charles. Premier ministre en petit bout de temps, Claude Joseph, en bail garanti, il a continué de travailler pour faire lumière sous dossier
assassinat président de la République, Jovenel Moïse. Chef gouvernement remercie tout le monde qui décide de collaborer pour permettre l'enquête là arriver dans le bout de l'île. Cependant, Premier ministre Petit Boutan, Claude Joseph, fait connaître l'enquête ça. C'est plus gros priorité. Lui mandé acteurs politiques pour mettre tête ensemble pour aider le président assassiné. Joindre justice, pas gain affaire piqué devant. Entendez les déclarations, Premier ministre Petit Boutan, Claude Joseph. Principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour Madame Li capable de justice, pour Madame Lan, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petit fil capable de justice. Pour également allier Axamil capable de justice. Et somme toute, pour nation capable de justice. Moi, je voulais féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être, plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour le faire des chocages. Population, depuis le premier jour, il était temps d'appel au gouvernement, appel au premier ministre, si c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que l'intelligent et l'agir avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombien avec deux Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons. Torturé, humilié, de façon à la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement aux amis aux États-Unis, qui déjà offrit aide dans l'investigation et l'enquête là. Parce que le gouvernement croit que faut enquête là faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous voyons. Je adresse encore, une autre fois, avec les haïtiens, pour me dire, restez calme, nous-mêmes, nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour nous faire une justice. Il y a pile fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement, un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous, oui, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de faire une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est faire une justice. C'est enquête là. Nous avons précipitation, mais il a tombé par propre tête par eux. Parce que c'est la vérité qui peut blâmer, pas gagner, un rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Nous soutenons les déclarations au Premier ministre en petit bout de temps, Claude Joseph. Non, deux messages qui publiés sur compte Twitter, le président-sénat République, Joseph Lambert, qui proclamait depuis vendredi 9 juillet président provisoire pour combler vacances présidentielles, annoncé que négociations a continué avec la communauté internationale, là, notamment avec membres de délégation qui vini dans le pays d'Haïti, qui sorti dans le pays Washington. Sénateur Joseph Lambert, dit de rencontrer avec la délégation américaine, ensemble, yo côté yo té apprécié résolution Sénat qui fait choix de lui-même comme président provisoire en République là. Li prend rendez-vous avec récent sénateur yo pour continuer avec étape là. De l'autre côté, sénateur Lambert critiqué attitude de Claude Joseph côté le dénoncer mauvais paroles qu'elle té mité de yo contre Premier ministre nommé Dr Ariel Henry. Président tiré Sénat dit li indigné le fait que Premier ministre nommé Ariel Henry avoué que ministre Claude Joseph a été dénoncé devant délégation américaine yo en pile parole grave côté le même bail quelques mauvais calomnie qui t'ai frappé li. Plus loin, li croit que action sa yo son bagaille qui pas supposé faite d'après ça sénateur département sud-est en fait qu'on est. La fois qu'on est que rencontre Claude Joseph ensemble avec Ariel Henry avec membre délégation ambassade États-Unis qui l'est fait hier dimanche là dans capitale là t'est fini en queue de poisson. Donateur OPL organisation peuple cap lutté dans département nord pays en Gilbert Hippolyte montré les fâché pour façon bandit sans foi ni loyaux assassiné président République là Jovenel Moïse la Kaili dans la nuit à 6 pour lever 7 juillet passé. Les mêmes dit, c'est avec facilité assassin yo, rivé détruit la vie chef l'État. D'après ça, lui-même montré, à clair, pas gain aucun monde qui en sécurité dans le pays.
Plus de détails à correspondant nous, Jean-Claude Geffroy, depuis le département du pays. Coordonnateur OPL, organisation peuple cap lutté dans nos pays, Gilbert Hippolyte montre les choqués pour façon bandit sans foi ni loi assassiné président Jovenel Moïse Lakaili dans la nuit 6 pour lever 7 juillet 2021. Li fait connaître avec facilité assassin yo éteint souvent chef l'État montre à clair pas gain aucun monde qui en sécurité dans le pays. Sans lui pas mettre de l'eau dans la bouche, lui dit c'est irresponsabilité Jovenel Moïse qui pas ta bien administrer pays qui la cause lui prend la mort ça. Lui mandé toute force vive nation mettez-vous ensemble pour choisir un président provisoire qui pouvine travailler dans l'intérêt population. Gilbert Hippolyte. Les nous apprendre une nouvelle là. Bon 5 heures du matin, je pense que il met que nous y même les président de facto Jovenel Moïse. T'es couvert à pile dérive dans pays hein. Mais quant à question de vie, il mène dans lui, on croit que tout le monde supposé respecter vie parce que c'est bon Dieu qui baille la vie, pas gen monde qui baille la vie, c'est bon Dieu qui baille la vie, tout le monde supposé respecter vie. Les nous apprendre ça, parce que ça tire tout nous en pile parce que nous pas gen yon monde dans peut-être dans la politique qui a pensé que yon drame comme ça capable de et au président de la République. Et ça qui est étonnant sous question, c'est pas un président qui mourit dans une embuscade parce qu'il était non tourné et qu'il y a autant de pièges volés et qu'il y a pas de pièges là, mais c'est dans la résidence privée à lui, côté qu'il est chargé avec sécurité, qu'il a payé pour la sécurité, c'est là que M. Rivet a assassiné. C'est ça qui est plus étonné nous. Mais je viens de dire là, nous avons nous compte si Jovenel Moïse, en tant que président de facto, mourit dans la condition ça, eh bien, pas de personne même qui est à l'abri. Mais il faut que nous disions tout. Phénomène insécurité qui a développé dans le pays, hein, côté que Jovenel Moïse, qui était président de facto, qui était là, il n'est pas de prendre destin pays en main pour te freiner vague insécurité. Quelle que soit la forme, non, c'est même forme insécurité qui vient sous lui là. Coordonnateur OPL là, dans département Nord, te tout profiter de lancer bataille pour pouvoir qui gagne entre ancien premier ministre Claude Joseph, président Sénat, Joseph Lambert et premier ministre nommé Ariel Henry. Gilbert Hippolyte déclaré dans le conjonctif pays est là. Conflit pas réglé en rien, mais plutôt c'est un coup d'à-coude avec un consensus avec tout acteur yo cap capable de permettre une crise politique manche longlan résoudre plus rapide. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geffroy, Pyramide FM. Merci en pile, Jean-Claude Geffroy. Président Association Nationale Magistrat Haïtien yo Jean-Wilner Morin estimé assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là c'est résultat parmi toute impunité yo avec comportement la justice juge Morin qui t'a parlé pour montrer que ça qui fait là choqué là en pile face avec la question violence qui installé dans pays fait qu'on est l'île pour la justice dans le pays d'Haïti réveillé li pendant li invité collègue yo pour capable suspendre rendre une série ordonnance qui n'a complaisance. Nous parlons vite autant des déclarations, juge Jean-Wilner Morin. C'est avec la meurtrie, avec le cœur endolori, lorsque nous regardons pendant ces dernières années, et particulièrement pour l'année 2021, ensemble de jeunes citoyens, ensemble de jeunes haïtiens, ensemble d'haïtiens, de frères qui sont passés de vie à tripas, assassinés et mutilés, écrasés, détruits. Et particulièrement le président de la République, Monsieur Jovenel Moïse, pendant que moi-même ma parole là, m'a prié pour madame, et moi dis madame, acceptez qu'on me lie en ce moment, les mêmes actions, et m'a prié tout pour que je m'établisse très vite, parce que moi, comprendre douleur, lui. Moi-même, au niveau de la magistrature, nous reconnaître ça. Faites la là, ça crie là, c'est parce que la justice n'a jamais vraiment voulu un bon signal. À chaque fois, des gens qui sont assassinés, à chaque fois, des gens qui sont mutilés, à chaque fois, des gens qui ont mis dans une situation côté que ils ont perdu parents, la justice n'a jamais baillé, la justice oui. Et c'est ça qui fait nous vivre un cycle infernal. Ça. M'a profité de la mort président de la République là. Pendant que m'a dit tout citoyen accepté qu'on devienne moins gouvernement à tout le monde qui pré-président ou bien qui était pré-président, m'a dit que justice là réveillée. Le pays
connaît des problèmes d'insécurité, de violence, c'est parce que la justice est faible. C'est parce que la justice n'a jamais répondu à ses devoirs de justice. Je dis à la, il est temps que les juges cessent de rendre des ordonnances, de rendre des décisions. Côté que il a fait plaisir à des gens, à des personnes, à des groupes. Il est temps que la justice aujourd'hui fasse application de la loi et du droit. Moment des juges, réveillez-nous, messieurs, dames, parce que si nous continuons à faire cette justice de complaisance, n'a pas du pays. Parce que si deux mondes capables d'assassiner un président de la République de manière aussi facile, de craser le président, de détruire le président, de détruire l'image du pays, c'est parce qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Mesdames, messieurs, mes collègues magistrats, mettez-vous debout et remontrez la justice pour que le monde connaît la commettre un acte, la joindre pour une décision proportionnelle à ça le commettre comme acte là. Nous autres, Anama, nous commettons bien bas devant la dépouille du président de la République. Mais pendant ce temps, on a dit que toute sa présidente a demandé comme justice sociale, comme équilibre, comme partage des biens de l'État, il n'y a pas dû être fait comme de discours politiques, il doit être traduit dans l'application du droit et dans l'application de la loi. C'est ça le message de l'Association nationale des magistrats. Nous soutenons les déclarations, juge Jean-Wilner Morin. N'a venu dans Balatibonite là gagné un président grand commission chapelle évangélique Christlan pasteur Manin Semblant condamné à toute force li façon yo rivé facilement assassiné ancien président république la Jovenel Moïse la Kaili 600 pour l'ouvrir 7 juillet passé hein. Dirigeant grand commission chapelle évangélique là Christlan pasteur Manin Semblant mandé justice non seulement pour ancien président république la Jovenel Moïse mais pour tout monde qui tombé en bazam neg nan Port-au-Prince ak l'autre côté nan pays a pendant lancer appel bay tout secteur nan pays a mete tête yo ensemble pour joindre yon solution entre haïtien ak haïtien en dans des déclarations Manès Blanc. Ces conséquences tout inconséquences yo par exemple tout monde qui mouri tout en avant yo insécurité qui vient légaliser hein c'est responsable pays, yo te prend ça au sérieux, yo te gain temps freinel, eh bien, ça passe à pas ta passé. Et ça passe à là, c'est une honte liée pour nous tous haïtiens. Et puis, li mérite pour le condamner, parce que, quel que soit Jean, yon moun te méchant, eh bien, gain la loi pour bal ça le mérite. Donc, si, président de toute sécurité, tout l'autre monde, pour bagarre la passer si facile comme ça, eh bien, ça pour nous dire ça. Nous déplorons, nous condamnons, et puis nous quoi t'as dû servir les sons pour prochain monde qui a venu prendre un pays, les désordres commencer, pour nous fouquer des ordres, pour nous marrer des ordres, pour nous condamner des ordres, et puis si c'est comme ça à nous, il va arriver sous nous, il va arriver sous nous. Justice déjà dit me condamner. Si me dit me condamner, ça veut dire faut y faire ça prouver que condamnation. Eh bien, je crois que nous allons commencer avec les justices. Hein? Par exemple, donc mes journalistes Diego, l'inorme de la batterie demain si Dieu veut, si je me trompe, si je me des formations bien, et mon cochon a mangé et Matisse en yo, et puis nous m'en de justice pour tout, et puis nous m'en de justice depuis sous papa de Saline, Jean-Dominique, tout l'autre monde qui passe, et puis commencer par justice à tout le monde, et puis encore, moi relever voix encore, pour me faire appel avec tout citoyen, tout patriote, tout le monde, pour nous mettre tête nous ensemble. Souplement, m'a demandé, moun qui passe dans le pouvoir, dans le pays, a déjà, qui quitte mauvais note, même si vous semblez comme papa bon cœur, même qu'on est, nous t'a demandé pour yon faux camper, rester derrière rideau, by moun, on a moun sérieux dans le pays, dans le secteur journaliste, dans le secteur l'église, dans tout secteur, c'est moun ça pour paraître tête nous, pour nous voyons une série de noms, voyons une série de monde qui ka voyons un message très bas international là, bah tout l'autre monde pour faire connaître monde dans le pays à l'essai pour le bouche en cause.
Nous sortons des déclarations malaise blanc. Dans l'office organisation Nations Unies, il y a une ville Genève. Il a été pris une minute en silence vendredi passé. En mémoire président de la République, Jovenel Moïse, pendant 47e conseil d'Ouamounio. Dans l'occasion ça, ambassadeur Justin Vienne qualifié assassinat. Président de la République, Jovenel Moïse, c'est un assaut contre la démocratie. En tant que déclaration, Justin Vienne. C'est avec une grande émotion que je porte à la connaissance de cet auguste conseil un événement regrettable survenu le mercredi 7 juillet 2021 vers 1h du matin quand un groupe d'individus lourdement armés ont attaqué la résidence du président de la République d'Haïti, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, et l'ont assassiné. Son épouse, grièvement blessée lors de l'attaque, est pour l'instant à l'hôpital et reçoit des soins que nécessite son cas. C'est un acte odieux, inhumain et barbare. Ainsi l'a qualifié le Premier ministre, son Excellence, Monsieur Claude Joseph. Il s'agit d'une atteinte grave au droit à la vie et à la dignité du peuple haïtien. Le pays tout entier est consterné devant un tel drame. Le drapeau haïtien est en berne et une période de deuil de 15 jours est décrétée sur toute l'étendue du territoire. La police nationale, l'armée d'Haïti ainsi que la justice haïtienne sont à pied d'œuvre en vue d'identifier les coupables, les poursuivre et les punir conformément aux lois en vigueur. Madame la vice-présidente, le président Jovenel Moïse était un fervent défenseur des droits de l'homme et notamment ceux des plus faibles. Pendant les 4 années et 5 mois qu'il a passé à la tête du pays, il n'a cessé de s'attaquer aux grands défis de la nation, dont la réforme de l'État, la lutte contre la corruption et a lancé des chantiers d'infrastructures incluant l'électrification du pays. Cet assassinat est un assaut contre la démocratie. Avec votre permission, Madame la Présidente, je demanderai à l'Assemblée d'observer une minute de silence en la mémoire de ce grand homme d'État. Nous soutenons les déclarations, Justin Vienne. Ville Gonaïve enlevé barricade journée lundi 12 juillet 2021. Bien bonnet dans matin, en pile cartouche a été tiré dans mitan centre-ville qui était forcé ti marchand yo abandonner marché communal yo ak l'autre marché qui était tout près centre-ville. Caoutchouc a brûlé dans plusieurs côtés sous grand ville Gonaïve, rue Fab Geffra ak Rivenne. Ça qui était la cause toute activité net en passé journée paralysée en bas la ville là, personne monde pas voulu mettre pied yo. Porte-parole parti politique Haïti en action en ville Gonaïve en Fritz Désir en fait connaître le déploré invitation paquet Port-au-Prince te voyer bay leader Haïti en action Yuri La Tortue. Porte-parole AAA en ville Gonaïve en fait connaître c'est raison ça qui fait eux même y a porté support yo bay ancien sénateur côté yo mandé pour qui ça l'autre monde qui gagne mauvais action yo fait pas joindre invitation alors que c'est sénateur Yuri La Tortue qui joindre invitation. Il y a plusieurs centaines de sympathisants parti politique Haïti en action qui te descendent le lundi 12 juillet 2021 à supporter l'idée parti Haïti en action Yuri La Tortue qui te recevoir invitation commissaire gouvernement pour petit bout de Port-au-Prince dans le cadre enquête sur assassinat président haïtien Jovenel Moïse. Président Grand Commission Chapelle Évangélique Christ là pasteur Manès Blanc condamné à force façon yo rivé facilement assassiné président République là la Kali dans la nuit 600 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Pasteur évangélique là mandé justice non seulement pour ancien président mais pour tout l'autre monde qui mouri en babal assassin. Directeur général PNH là annoncé arrestation docteur Christian Emmanuel Sanon dans cadre enquête sur assassinat président République là. Monsieur Christian Emmanuel Sanon, c'est mon Marigo, département sud-est paysan, li gagné 63 ans. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.